fine. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir toute Thaïlande. Personne participe. Félicitations, c'est votre 50e discussion. Bonsoir. Oh, 11 personnes maintenant. Alors. Jimmy, bonsoir. Inès, bonsoir. Bonsoir de Thaïlande, bonsoir de Rachida. Je suis au café de Starbucks, non? Avec Anne. On veut pas dire bonsoir. Bonsoir Jolie, Michel. Bonsoir Crémy, bonsoir Laurent, bonsoir Benjamin. Bonsoir Jolie. Comment ça va? Ça va bien. Ah, d'accord. Alors, il y a beaucoup de personnes maintenant. Il y a beaucoup de gens ce soir. Et maintenant, il est minuit et quart en Thaïlande. Et en France, quelle heure est-il? 6h15. Ah, d'accord. Vous finissez votre travail et vous allez faire la fête ou pas? Pour moi, non. Et demain? Je vais vous dire que demain, c'est le jour spécial pour les bouddhistes, pour les Thaïs, pour nous. Alors, c'est le week-end et les vacances. 18h15. Ah, pour ce soir, comme je pars avec Anne et elle, comme nous savons que demain c'est la fête religieuse en Thaïlande. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Makabusha. Et c'est pas pour l'histoire de Makabusha en français. Je vais vous la raconter par ce que. Et ça, pour l'information, il vient du site de Koon Mai, Thaïlande. Je dois remercier Koon Mai, Thaïlande. Parce que je ne sais pas comment dire ou expliquer en français. Parce que pour les mots, les vocabulaires, c'est très difficile à expliquer. Alors, je vais raconter. Je suis à Kola, Koon Patrice. Bonsoir. Bonsoir, j'y suis en ce moment en Thaïlande. Ok, d'accord. Je vais raconter pour le jour demain. Pour demain, alors je vais expliquer c'est quoi le Makabusha. Pour le mot Makabusha, c'est une fête bouddhiste qui tombe le jour de la pleine lune. Du troisième mois lunaire. Alors, si vous me comprenez pas, vous pouvez me dire immédiatement. Alors, je vais continuer pour ce jour, pour demain, pour Makabusha, une fête bouddhiste c'est une fête qui marque l'anniversaire du sermon dans le jardin. Vélouane. Je vais vous montrer la photo du jardin Vélouane. Maintenant, je suis avec Anne, mais elle n'est pas prête de dire bonsoir. Bonsoir, tout le monde, je suis très fatiguée. Anne, je t'ai vu. Julien, je t'ai vu. Je suis très fatiguée. Vous êtes derrière nous? Ah, je vais continuer pour
ou montrer la photo là-bas. Je vais vous montrer la photo du jardin Velouane. T'es prêt? Je prends du café maintenant. Laurent dit que passe un coucou à homme. Dis coucou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Rien que là. Non, encore pas. Ah d'accord. Oui, et voilà. India. Quand jardin Velouane. Et neuf mois après son inhumation, sans se concerter, 1 250 000 disciples virent vaincre. Allez voir. Ah ouais. Et je suis désolée. Hein. C'est le jardin Velouane. Velouane. Mm-hmm. Et 9 mois après son illumination, sans se concerter, 1 250 000 disciples vinrent spontanément lui rend hommage la nuit de la pleine lune au jardin Velouane. Et alors, Bouddha leur a enseigné le loi Patimo. Pour le loi Patimo, c'est le mot Bali. Hein? Pour le loi Patimo, c'est le. C'est les trois principes les plus importants. C'est les trois principes. Les trois principes importants. Ah, je vais vous dire, il y a quoi? Le premier, c'est inviter le mal. Et deuxième, faire le bien. Et troisième, garder la pureté de son âme. Alors, c'est le loi Patimo. Je vais répéter encore une fois. 1. Éviter le mal. 2. Faire le bien. 3. Garder la pureté de son âme. Monsieur Michael, vous ne mangez pas aujourd'hui? Si, déjà mangé. Déjà. Et je vais chercher encore plus pour le dessert. Alors, je vais continuer. Je vais raconter. Des festivités et célébrations auront lieu dans tout le royaume en Thaïlande. Et la tombée de la nuit, des processions lumineuses auront lieu autour de certains temples. Alors, comme ça, demain soir, je vais aller au temple pour faire le mérite et on va faire des offrandes. Alors comme ça c'est l'histoire que je dois hériter, je dois lire parce que je peux pas expliquer avec ma langue française parce que pour les vocabulaires sont un peu très difficiles pour moi. Mm-hmm. Et alors, vous savez les questions? Comprenez. Vous me comprenez ou pas? Sinon, je vais répéter encore. Les touristes peuvent aller? Ah oui, vous pouvez. Vous êtes tous les bienvenus. Mm-hmm. Très bienvenus. Maintenant, pour faire... 19h30 environ. 19h30, vous pouvez aller au temple pour faire le mérite, pour faire la procession. La procession autour du temple.
autour du temple pour la procession lumineuse. Avec des... Il y a la procession lumineuse autour des temples avec les trois bâtons d'encens, une bougie et la fleur. On fait trois tours au total. La première tour, c'est pour... éviter le mal. La première tour, c'est pour... c'est pour être reconnaissant de Bouddha. Et la deuxième tour, c'est pour les sermons de Bouddha. Et la troisième tour, c'est pour des moines, des disciples. Bonsoir tout le monde, je suis très fatiguée aujourd'hui, donc je préfère de ne pas vous montrer mon visage, parce que sinon je vais vous faire peur. Mais moi, je suis fatiguée aussi. Mais ça va pour moi. Parce que vous avez déjà vu mon visage sans maquillage. Et alors comme ça, ça va. Monsieur Michael dit que beaucoup de fêtes religieuses en Thaïlande. Oui, parce que nous sommes bouddhistes. Kun Patrice, où je suis regardé avec respect. Patinelle. Oui, vous pouvez. Et vous restez à Khao Lak maintenant? Et alors maintenant il y a 18 personnes. C'est la fête. Et comme ça tu as le congé à lundi. Tu travailles. Mais normalement il y a la fête tombe le week-end comme ça. Le congé va être ajouté sur le lundi, oui. En Thaïlande, maintenant c'est le long week-end, donc on a trois jours d'affilée, samedi, dimanche et lundi, trois jours de congé. Mais c'est la fête religieuse, donc il y aura pas de feux d'artifice, de lanternes. Non, ça sera très calme. Alors, demain c'est samedi. Ah oui. Et alors pour ce soir, il y a rien à enseigner ce soir et je suis un peu fatiguée parce que pour en ce moment, j'enseigne tous les jours. Et je dois réviser pour l'épreuve aussi, l'épreuve d'ELF à B2. Et j'ai pas tout le temps. Alors, comme ça. Laurent, vous faites le pont. Alors, trois jours de congé. Oui, trois jours de congé. Mais moi, j'enseigne tous les jours parce que je travaille à mon compte. j'ai pas de congé, jamais. J'enseigne tous les jours. Alors, demain, Bouddha Day, oui, la fête religieuse. Il faut aller au temple. Et voilà, je vais terminer. Et vous avez des questions? Je vais vous répondre si possible. Sinon, je vais terminer ce live ici pour réviser pour l'épreuve d'ELF B2. Alors, c'est triste pour toi de ne pas avoir de congé. Ça va, je suis heureuse, je suis contente. Parce que si j'ai le congé, ça veut dire que je n'ai pas d'argent. Il n'y a pas. Tout à fait. Si je suis occupée, ça veut dire que j'ai d'argent.
Je suis une femme riche. Je rigole. Alors, je vais terminer ce live ici. Et merci tout le monde pour participer. Merci tout le monde de... Ah, un moment, s'il vous plaît. Rune Inès, B2 en français, oui. C'est l'épreuve B2, oui, en français. Pas en français. En français, oui, mais je vais passer à l'Alliance française à Bangkok. Quel jour, le 25 février. Encore deux semaines. Tu es prête? Non, pas du tout. Bonne soirée et merci pour tes explications. Oui, je dois remercier pour le site de Khun Mai, Thaïlande aussi. Alors, merci tout le monde de participer à ce live et bonne soirée à tous, bon week-end et à la prochaine. Au revoir.